L'Union européenne débloque plus de 9 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Ce montant est mis à la disposition de l'ADDR et l'UE va donc apporter ainsi son appui à la réinsertion des ex-combattants. La paix des braves, c'est ce que propose le président sénégalais Macky Sall aux populations du sud du Sénégal qu'il visite depuis hier. L'appel est lancé notamment au mouvement des forces démocratiques de Casamance, entré en rébellion depuis 30 ans. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi un traité intégrant la Crimée à la Russie. Le texte doit encore être ratifié par le Parlement vendredi. Décision désapprouvée par les États-Unis et les Occidentaux qui ont pris des sanctions contre la Russie. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. L'Union européenne vient de débloquer plus de 9 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Ce montant est mis à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'UE apporte ainsi son appui à la réinsertion des ex-combattants à travers l'ADDR. C'est ce que nous explique Adama Kone. L'Union européenne s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de réintégration des ex-combattants. Facture de cet engagement 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA. Affectation de l'enveloppe, favoriser le passage des anciens combattants, du maniement des armes à la maîtrise d'activités rémunératrices. Conditions d'éligibilité. L'Union européenne, elle a souhaité pouvoir s'adresser à des ex-combattants qui effectivement avaient réellement rendu leurs armes. Donc il faut qu'effectivement, c'est une des premières conditions, que les armes soient effectivement collectées. Et en cela, on travaille main dans la main avec l'ADDR et l'ONUCI pour vérifier ces conditions. Et ensuite, des ex-combattants, ça c'est une condition que l'Union européenne pose, qui ne sont pas concernés par les résultats, par exemple, de la Commission nationale d'enquête. Donc qu'ils ne soient pas parmi ces personnes qui ont commis des graves violations des droits de l'homme pendant la crise post-électorale. Ce sont 7500 personnes qui seront identifiées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le programme est déjà dans sa phase opérationnelle depuis le 3 mars et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne rendez-vous dans 6 mois pour les premières évaluations. Et justement, l'Union européenne et les pays africains se retrouvent pour la 4e fois dans le cadre d'un sommet à Bruxelles. C'est dans le mois d'avril. À noter que ce sommet sera l'occasion de célébrer l'aboutissement des accords de partenariat économique CEDEAO-UE. L'information a été donnée ce matin aux journalistes par le premier conseiller de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara prendra part à la rencontre. Mais quels sont les enjeux de ce sommet? Réponse avec Adama Kone. Rencontre au sommet entre les 28 États de l'Union européenne et les 53 pays de l'Union africaine les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. 4e sommet du genre, les organisateurs tiennent à marquer la particularité de la réunion au moment où l'Afrique fait l'objet de plusieurs sollicitations de partenariat. Notre idée réellement, c'est que nous sommes deux continents, mais nous devons partager une vision de ce que doit être notre avenir commun, de ce que doit être le monde de demain que nous laisserons à nos enfants. Et donc, la thématique du sommet, elle va s'articuler autour de 3 sous-thèmes qui sont les populations, la prospérité et la paix, qui sont 3 valeurs que nous avons en commun et que nous voulons pouvoir développer en commun. Donc, en allant à Bruxelles, les chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union européenne auront le cœur léger. Et pour cause, l'accord de partenariat économique sera un dossier en moins. La présidence exercée par la Côte d'Ivoire et le rôle personnel, l'implication personnelle du président Ouattara dans cette négociation, elle a permis simplement à l'accord d'aboutir, de le relancer tout d'abord et de le faire aboutir. Nos économies vont enfin être ensemble et vont pouvoir se développer ensemble. L'accès au marché européen va être garanti pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et également, c'est une situation gagnant-gagnant, l'accès au marché d'Afrique de l'Ouest, eh bien, il est aussi garanti pour les produits européens. Le sommet sera précédé d'un forum des affaires. Selon M. Pouzi, cette plateforme est un prolongement du forum Investir en Côte d'Ivoire et devrait profiter aux opérateurs économiques ivoiriens.
Le réseau international des agences francophones de promotion des investissements tient depuis hier à Abidjan sa deuxième assemblée générale extraordinaire. L'objectif de la rencontre est d'élaborer des stratégies communes pour la redynamisation des activités des membres du réseau. Le reportage de Noël Nyagno. L'Assemblée générale extraordinaire du réseau international des agences francophones de promotion des investissements RIAF-PI a clos ses portes. La vingtaine de dirigeants des agences francophones a confié le destin du réseau à Essis Esmel Emmanuel, directeur général du CPC, centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, avec une feuille de route. Le partage d'expériences acquises en matière d'attraction d'investissement, la constitution d'un réseau de collecte et d'échange d'informations, la facilitation de l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone, l'assistance aux agences membres dans leurs projets de recherche de financement auprès des partenaires techniques et financiers, le renforcement du rôle du conseil et d'expertise des agences de promotion d'investissement auprès de leurs gouvernements respectifs, la promotion de la langue française comme langue officielle à l'occasion des rencontres internationales en rapport avec les activités de promotion d'investissement. Une feuille de route qui va permettre de construire le futur de l'espace francophone, comme indiqué à la cérémonie d'ouverture par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, représentant le Premier ministre. Le RIAF-PI représente l'avenir, car il nous offre un cadre d'échange de nos meilleures pratiques, de nos expériences, mais surtout, il constitue, si bien que le soutien est maintenu, la meilleure vitrine pour promouvoir les investissements dans le monde francophone. Construire le futur de l'espace francophone en tenant compte de la répartition géographique de cet espace, un autre challenge. Pour ce faire, 5 vice-présidents représentant chacun de ces espaces vont seconder Essis Esmel Emmanuel pour un mandat de 5 ans. Ce comité international sera étoffé en fonction des nécessités, a indiqué l'Assemblée générale extraordinaire. Le siège est confié à la Côte d'Ivoire. L'espace francophone, c'est 13% de la population mondiale, 20% du commerce avec le français comme 5e langue parlée au monde. Initié en avril 2012 dans le cadre de la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire, le programme national de développement communautaire démarre en mai prochain et c'est ce qui ressort de la rencontre de ce mardi entre les responsables du PNDC et une délégation de la Banque islamique de développement. La BID a accepté de financer le PNDC à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Les deux parties ont validé les différents aspects techniques du projet et discuté des conditions de décaissement des fonds. Le PNDC vise, sachez-le, à appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la recherche de réponses urgentes aux préoccupations des communautés vivant dans les zones affectées par la guerre. Et plusieurs infrastructures économiques seront bientôt construites à l'ouest du pays où démarre le projet pilote de développement communautaire. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant plaide pour la poursuite des OMD après 2015 au siège des Nations Unies à New York. Anne Désiré-Lotto, qui participe à la 58e Assemblée générale de l'ONU sur la condition de la femme, s'est prononcée notamment sur l'autonomisation, la représentativité des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire. Nous écoutons la ministre Anne Désiré-Lotto. La Côte d'Ivoire, membre du comité des 10 de la décennie de la femme africaine, adhère à la position commune africaine pour l'agenda post-2015 et recommande que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des droits des femmes occupent une place de choix dans le programme de développement post-2015. Nous rappelons qu'à la 49e session, en 2005, les gouvernements ont reconnu que le programme de Beijing et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme se renforcent mutuellement et concourent à la réalisation de l'OMD 3. Alors que nous nous apprêtons à évaluer les acquis de Beijing plus 20, retenons plus que jamais l'importance de ces deux instruments. Le secrétaire général du Rassemblement des Républicains, en tournée dans le département de Gagnoua, prône la fraternité et la réconciliation à Ouragayo et Diego Nifla. Amadou Soumaoro appelle également à un soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat en 2015. La tournée de mobilisation a réuni plusieurs militants et sympathisants du RDN, nous explique Gabriel Zani.
La mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains ne faiblit pas au fil des localités visitées. D'Ouragayo à Diego Nefla, en passant par le village de Seri Jacob, ils sont de plus en plus nombreux à sortir pour écouter le message de paix et de fraternité prêché par Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Je leur ai transmis du moins deux messages dans ma charge de chef de l'État. Un message de paix, paix indispensable à la cohésion et au développement de ce pays. Paix que doit cultiver chaque Ivoirien à l'image du chef de l'État lui-même. Mais le président m'a aussi chargé d'informer nos parents de Diego Nefla qu'il a décidé d'être candidat en 2015. Le sujet de ce rassemblement est aussi la réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et même si les militants du RDR ont réaffirmé leur engagement, leur soutien à Alassane Ouattara, les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien méritent d'avoir une réponse. Nous le soutenons pour tout. Et nous sommes prêtes à Diego Nefla. Les femmes de Diego Nefla sont prêtes pour les futures échéances. Il nous faut des moyens de déplacement, c'est-à-dire des motos, pour que nous puissions sur les campements et les villages, pour faire passer le message du président. Parce que sans moyens de déplacement, nous ne pouvons rien faire. C'est la première visite du secrétaire général par intérim du RDR dans la localité de Diego Nefla. Les populations attendent beaucoup de cette visite et l'une de leurs nombreuses attentes est le reprofilage des pistes villageoises pour permettre l'écoulement des produits agricoles. Et avec Hamza Diaby, voyons la mobilisation des militants du RDR de la commune de Kumasi. L'appel est cette fois-ci lancé par Brahima Cissé Bakongo qui a eu une rencontre avec eux. Le RDR en action pour la remobilisation de ses militants. Ce dimanche après-midi, les habitants de Kumasi reçoivent la visite de plusieurs membres du Rassemblement des Républicains, avec à leur tête Ibrahim Cissé Bakongo, cadre du parti et par ailleurs député de la commune. Une rencontre politique pour parler de paix, de réconciliation et surtout de remobilisation autour du président Alassane Ouattara. Pour Ibrahim Bakongo, le chef de l'État est le seul qui peut conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et ses actions le démontrent bien. Ce qu'il a fait se voit et se touche du doigt. Les routes, toutes les routes, je dis bien toutes les routes, sont en train d'être réhabilitées pour celles qui existaient. Celles qui n'existaient pas, elles sont actuellement en chantier. Beaucoup sont terminées déjà. Dans peu de temps, on va aller à Jacquesville sans avoir le souci du bac. À Boifle, un peu partout, les ponts sont en construction. À cela, l'intervenant principal ajoute, entre autres, que le problème d'approvisionnement en eau potable ne sera plus bientôt qu'un vieux souvenir. Il évoque également les nombreuses localités électrifiées ou la construction de près de 7000 classes en 3 ans. Selon lui, la machine RDR est en marche. Pour cela, il demande aux militants de raffermir leurs liens pour que le Rassemblement des Républicains continue d'aller de l'avant. Voilà, c'était la rencontre d'Ibrahim Cissé Bakongo avec les militants du RDR de la commune de Kumasi. Abidjan abrite depuis hier les deuxièmes assises du Forum des parlementaires africains. 120 parlementaires africains et arabes réunis au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dressent le bilan des résolutions des premières assises tenues en 2012 en Afrique du Sud. Ils vont également plancher sur la lutte contre la pauvreté, nous dit Michel Digri. Le talon d'Achille de l'Afrique demeure encore les difficultés qu'elle a à amorcer un véritable développement et les parlementaires africains en sont conscients. Si on ne peut pas faire des efforts pour envoyer nos enfants étudier, si on ne peut pas faire des efforts pour réduire le taux de pauvreté, vous comprenez bien que rien qu'à citer que ça, il n'est pas évident que demain matin, que l'Afrique puisse se relever. Trouver des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'exercice auquel les députés africains vont se livrer au cours des deuxièmes assises du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement. Il est donc du devoir des parlementaires d'apporter leur contribution à la promotion et à la mise en œuvre des nouvelles stratégies qui assureront la croissance des économies, ainsi que le bien-être
et le mieux-être de nos populations. Le ministre Albert Mabritoakus a invité les gouvernants africains à accroître les ressources au traitement des questions de population et de développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté en Afrique. Abradinou, dans la région de l'Indénié Diablin, est aujourd'hui un village désenclavé grâce à son bac sur le fleuve Komoé. Voyons cela avec notre reporter Eugène Atoubé. Piroguier en attente d'éventuels candidats à la traversée. Bienvenue sur le fleuve Komoé dans le village d'Abradinou. Ici, les pirogues ont fait leur temps. Fin d'une époque, le bac est arrivé, faisant ombrage à ce moyen de transport qui, quoi qu'on dise, rend toujours service. Le bac, ça nous arrange plus que le pirogue. Parce que le bac, c'est encore assurant. Quand tu as dedans, tu n'as pas de problème, tu n'as pas peur. Mais avec le pirogue, vraiment, c'était difficile. Parce que ça peut renverser. Avant l'arrivée du bac, on contournait le fleuve Komoé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du bac, on arrive à transporter toutes nos marchandises, donc je suis heureuse. Le bac d'Abradinou est petit comparé à celui de Bétier dans la même région. Le bac d'Abradinou qui doit sa mobilité à un treuil est soutenu de part et d'autre du fleuve par un cordeau métallique qui lui donne résistance et stabilité. Depuis 2013 que l'engin est fonctionnel, il est aisé d'effectuer un aller-retour à Abradinou. Surtout qu'à partir de la localité de Yakassé à Tobrou, la route a bénéficié d'un reprofilage lourd qui permet de parcourir en toute tranquillité les 55 km menant au fleuve. Bonheur des populations d'une contrée qui entrevoit de belles perspectives en termes de développement et de progrès. Le seul accès, c'était le fleuve. Même si les femmes sont en travail, il faut emprunter le fleuve. Pour un enfant, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut passer par le fleuve, aller jusqu'à Mbasso, retomber sur Yakassé pour descendre à Abidjan. Aujourd'hui, cette facilité-là, du bac, du pont, font que je suis très content. Avec ce que nous venons de voir, là, on peut dire que ça va, mais notre souhait aujourd'hui, c'est d'être connecté au réseau électrique national. Hier enclavé, Abradinou, grâce à son bac, entretient l'espoir d'une transformation en profondeur. Fier de ses acquis, qui sont son château d'eau et le pont sur la rivière Ebodo. À quelques heures de la date anniversaire du décès du maître du Didiga, il s'agit de l'écrivain enseignant Bernard Zadizaourou, l'ONG Maison africaine de vie intérieure pour enfants, dénommée Mavi, a équipé et rebaptisé les lycées 1 et 2 de Soubré, qui portent le nom de l'écrivain disparu il y a 3 ans. Les lycées modernes 1 et 2 de Soubré s'appellent désormais lycée moderne Bernard Zadizaourou. Le choix du professeur traduit l'excellence, a expliqué le proviseur Ekra Popoint. Cette référence doit servir de boussole aux élèves, à l'administration et aux enseignants. Le proviseur a saisi l'occasion pour relever les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces établissements. Il s'agit entre autres de l'absence de latrines et d'insuffisance de salles de classe. Le représentant du ministre, Kandia Camara, a salué l'initiative. Selon lui, célébrer l'homme, c'est magnifier la symbiose entre l'école et la culture. Procédant au baptême des établissements, le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les élèves à la culture de l'excellence en digne héritier du professeur Bernard Zadizaourou. Vous, élèves du lycée Bernard Zadizaourou, vous venez d'être engendrés à nouveau. Vous n'êtes plus des êtres élèves ordinaires. Et cela doit se ressentir dans vos résultats. Plus question d'échec. Au nom de la famille Zadi, Ernest Guiza a traduit sa reconnaissance à la grande famille de l'éducation nationale et sa satisfaction de savoir que leur frère demeure un modèle pour les vivants. La cérémonie de baptême a été marquée par une exposition vente de livres, une soirée artistique, une conférence et une séance de don de sang, couplée de dépistage gratuit du diabète. Et c'était un récit de Chantal Akandan.
La paix des braves, voilà ce que propose le président sénégalais Macky Sall aux populations du sud du Sénégal qu'il visite depuis hier. L'appel est lancé notamment au mouvement des forces démocratiques de Casamance, une paix dans laquelle il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais qui garantira l'intégrité du territoire sénégalais. Retransmission en direct, tout le gouvernement sénégalais au grand complet. Jamais la ville de Ziguinchor n'avait abrité un pareil événement. Les figures emblématiques de la région et des milliers de personnes sont venues de Ziguinchor, de Sédiou et de Kolda, les trois régions administratives de la Casamance, pour accueillir le président sénégalais. Macky Sall, qui effectue une visite historique de trois jours dans cette partie du pays, meurtrie par plus de 30 ans d'une rébellion armée, est venu tout naturellement proposer une paix des braves, sans vainqueur ni vaincu. Très chère population de la Casamance, je suis heureux, à plus d'un titre, d'être de nouveau parmi vous. Parmi vous, ici, au cœur de cette Casamance, si chère à nos cœurs, pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Le président sénégalais a lancé un projet de développement de près de 30 millions d'euros. La rébellion armée qui sévit en Casamance depuis 1982 en a fait l'une des régions les plus pauvres du Sénégal. Depuis l'élection de Macky Sall en 2012, des tractations pour parvenir à une solution au conflit indépendantiste ont été engagées sous l'égide notamment de la communauté catholique de Saint-Égidio. Nous prenons la direction du Nigeria où le président nigérian Goodluck Jonathan a ouvert hier, lundi, les travaux de la conférence nationale. C'est à Abuja. Goodluck a convié les délégués à réfléchir sur les voies et moyens devant renforcer l'unité et la cohésion du Nigeria. Ils sont près de 500 dans cette salle. 500 Nigérians censés représenter toutes les composantes de la société, ethniques, religieuses ou linguistiques. Depuis des dizaines d'années, le Nigeria est déchiré. Son président espère que cette conférence nationale, qui va durer trois mois, mènera à la réconciliation. Cette conférence nous offre la possibilité d'échanger des idées sur les problèmes de notre pays et de faire des recommandations pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Le Parlement devra ensuite voter des lois pour faire appliquer ces recommandations. En attendant, les violences se multiplient dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Deux jours avant la conférence, des attaques dans le centre du Nigeria ont fait une centaine de morts. Les conflits sont ethniques ou religieux. Le Nigeria est aujourd'hui au bord de l'implosion, menacé également par la corruption ambiante. Mais cela n'empêche pas les délégués de la conférence de rester optimistes. Nous sommes là pour voir comment rendre le Nigeria meilleur, comment vivre ensemble, comment régler le problème de l'injustice sociale et aussi des inégalités. Seul reste tabou la partition du Nigeria entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. L'opposition parle déjà d'une manipulation politique à un an des élections générales. Parcourons le reste de l'actualité en Afrique. En bref, commençons par le Sénégal. Au Sénégal, les médecins grévistes restent mobilisés. Après un nouvel échec des négociations, ils ont défilé dans les rues de Dakar pour dénoncer leurs conditions de travail et les bas salaires. Depuis plusieurs semaines, le personnel de santé observe une grève tous les lundis et mardis. La loi réprimant l'homosexualité en Ouganda, une nouvelle fois fustigée au Parlement européen. Lors de la session Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne, le coprésident Louis Michel a dénoncé une infraction aux conventions internationales sur les droits de l'homme. Des critiques qui font suite à la résolution adoptée la semaine dernière par des eurodéputés pour sanctionner l'Ouganda et le Nigeria. Au Soudan du Sud, des centaines de déplacés menacés par le choléra dans un camp de la capitale. Pour éviter toute épidémie, la mission des Nations Unies a organisé leur évacuation vers un nouveau site, toujours à Djouba. En trois mois de conflit, 77 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans des camps gérés par l'ONU. Et pour l'actualité dans le monde en bref, commençons par la crise en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi un traité intégrant la Crimée à la Russie. L'accord a été signé ce matin avec les nouveaux dirigeants de la Crimée. Le texte doit encore être ratifié par le Parlement vendredi. Et juste avant, le président Vladimir Poutine s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement russe pour justifier son action.
Tonnerre d'applaudissements pour Vladimir Poutine, le maître du Kremlin a prononcé mardi un discours devant les membres du Parlement et les gouverneurs russes, juste avant de signer le traité rattachant la Crimée à la Russie. La Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie, a-t-il déclaré, fustigeant les Occidentaux qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge dans la crise ukrainienne et ignoré le droit international. Après le référendum orchestré par Moscou en Crimée, Vladimir Poutine a cependant assuré qu'il n'y aurait pas de scission de l'Ukraine. Un attentat suicide a fait au moins 16 morts et une quarantaine de blessés mardi dans une province reculée du nord de l'Afghanistan. Le kamikaze s'est fait exploser en plein cœur d'un bazar. Toutes les victimes sont des civils. Cet attentat intervient à 2 semaines de l'élection présidentielle. Pas de revendication pour le moment, mais les talibans ont promis la semaine dernière de perturber ce scrutin décisif pour la transition démocratique d'un pays miné par plus de 3 décennies de guerre. Reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien mardi à Vienne, l'objectif est de mettre fin à 10 ans de confrontation entre l'Iran, qui revendique son droit au nucléaire civil, et les grandes puissances qui le soupçonnent de chercher à se doter de l'arme atomique. En novembre dernier, un plan d'action sur 6 mois avait été conclu, prévoyant le gel de certaines activités nucléaires de la République islamique en échange d'une levée partielle et provisoire des sanctions internationales contre Téhéran. Et c'est toujours l'angoisse pour les familles des 239 passagers du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars dernier. Ce mardi, 11e jour de recherche du MH730, toujours aucune trace de l'appareil. L'enquête semble piétinée. Les autorités malaisiennes sont accusées d'avoir saboté le début des enquêtes en retenant certaines informations. Réunion houleuse ce mardi dans un hôtel de Pékin entre les familles des passagers du vol disparu de la Malaysian Airlines et des représentants de la compagnie. Voilà 10 jours maintenant que l'on est sans nouvelles de l'avion fantôme avec ses 239 personnes à bord. Et les proches sont à bout de nerfs. Ils accusent le gouvernement malaisien de leur cacher la vérité. Les représentants de la compagnie reconnaissent qu'eux-mêmes sont dans le brouillard. Des parents de disparus annoncent alors qu'ils vont entamer une grève de la faim. Les Malaisiens comptent en jours, mais nous, nous comptons en secondes. Les familles sont au bord de l'effondrement. Le mystère du vol MH370 reste complet et les recherches ont pris une dimension internationale. Y participent des militaires et des experts de 26 nations sur une zone allant de l'Asie centrale au sud de l'océan Indien. Seule certitude, le Boeing 777 a brusquement changé de cap au-dessus du golfe de Thaïlande et poursuivi sa route vers une destination inconnue. L'hypothèse terroriste est toujours retenue même si l'étude des profils des passagers ne révèle aucun indice suspect. Les soupçons se concentrent plutôt sur les 2 pilotes. Des perquisitions ont eu lieu à leur domicile, mais un ami du commandant de bord aux États-Unis a du mal à croire qu'il ait pu mettre en danger la vie de ses passagers. C'est difficile de croire qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Vous savez, comme par exemple un suicide ou une prise d'otage. Quant au copilote, Farik Abdul Hamid, c'est lui qui a établi le dernier contact radio avec la tour de contrôle. Et bien bonne nuit sont ses derniers mots. Quelques minutes avant, le transpondeur qui fait le lien entre les ordinateurs de bord et la Terre a été mystérieusement débranché. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, Francis Boisfaux prendra le relais pour un nouveau journal.